Le chef d'État est communément considéré comme l'individu qui endosse la responsabilité et les pouvoirs nécessaires pour diriger un État. Ce titre est octroyé à des hommes et femmes qui ont des fonctions parfois bien différentes, cela dépendant de la forme institutionnelle de l'État en question. L'évocation d'assassinat de chef d'État renvoie souvent au cas américain de John Fitzgerald Kennedy, et pourtant, en Afrique les assassinats de pas moins de 25 chefs d'État notamment en 1961 avec celui de Patrice Lumumba, en passant par Thomas Sankara en 1987 pour finir par Muammar Kadhafi en 2011 et tout récemment le 19 avril 2021 d'Idriss Déby Itno au Tchad, sont encore dépeintes comme des malheurs nationaux dont l'évocation est occasionnelle et discrète. Ces événements restent pour la plupart encore peu connus du grand public car ils recèlent de nombreuses zones d'ombre quant aux motifs et au traitement de ces affaires par la justice. Il s'agira alors ici de comprendre dans quelles circonstances ces hommes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Ce phénomène touche toute l'Afrique, du nord au sud, d'est en ouest, et enfin depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. On peut aisément remonter l'échelle du temps pour trouver des exemples dans les empires coloniaux, dans les grands états africains médiévaux et même dans la province d'Afrique romaine. Un phénomène ancien mais qui revêt après les premières indépendances un aspect bien plus viol qui entraîne même dans certains cas de lourdes conséquences sociales. Le magazine Jeune Afrique, dans un article paru en 2015, note que depuis les premières indépendances, l'Afrique connaît en moyenne quelques 6 chefs d'État assassinés par décennie. Le continent aurait ainsi assisté à une mutation de violence politique en crime d'État au sortir de la décolonisation, qui s'accompagne d'extrêmes violences et ce même si certains États n'ont pas connu de guerre d'indépendance comme celle d'Algérie ou du Cameroun. La naissance de nouveaux États africains a eu son lot de victimes et le degré de violence s'enracine dans l'imaginaire collectif. Si décolonisation physique il y a eu, les puissances occidentales gardant tout de même soldats et agents administratifs dans leurs anciennes colonies désormais élevées au rang d'État parmi le concert mondial des nations. Dès lors, une nouvelle forme d'influence implicite se substitue à la domination visible par la force. Cette transition était déjà pointée du doigt en 1955 par l'écrivain, poète et homme politique martiniquais Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme, où il définissait les rapports entre colonisateurs et colonisés en ces termes, entre le colonisateur et le colonisé, il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourme, en chicote et l'homme indigène en instrument de production. Cette description permet alors de saisir la psychologie qui s'est développée avec les siècles de colonisation et qui ne s'est pas pour autant effacée avec la décolonisation. Karum a été assassiné le 7 avril 1972 à Zanzibar. 4 assaillants lui ont tiré dessus alors qu'il jouait au bao au quartier général du parti Afro-Shirazi. Il est le père d'Amani Abeid Karum, qui a été élu 2 fois président de Zanzibar en 2000 et en 2005. Son successeur est Ali Mohamed Chin. Peu de temps après avoir décidé de supprimer la garde présidentielle et d'expulser Bob Denard des Comores, le président Ahmed Abdallah est assassiné dans la capitale, Moroni. La période d'instabilité qui suit amènera la France à intervenir pour restaurer l'ordre. Abdallah a accédé à la présidence en 1978, grâce à un coup d'État orchestré par le mercenaire français Bob Denard. Celui-ci commande par la suite la garde présidentielle et devient un homme fort du régime. Réélu sans opposition, Abdallah renforce son pouvoir en abolissant le poste de Premier ministre et en faisant adopter, en 1989, un amendement constitutionnel lui permettant de briguer un autre mandat. Il prend aussi ses distances avec Denard et ses adjoints qu'il expulse la même année, après avoir consulté la France et l'Afrique du Sud. C'est dans ce contexte qu'Abdallah est tué dans la nuit du 26 au 27 novembre 1989 dans sa résidence de Moroni. Bien que Denard attribue ce meurtre à l'armée, il est vite considéré comme l'instigateur.
La situation se précise le 29 alors que Denard et la garde présidentielle effectuent un coup d'État, des policiers sont tués, des centaines de personnes arrêtées et l'armée régulière désarmée. Le 15 octobre 1969, le président somalien Abdirachid Ali Shermark est assassiné par un membre de la police nationale. 6 jours plus tard, alors que tous les partis politiques sont réunis à Mogadiscio pour lui trouver un successeur, le major général Mohamed Siad Barré orchestre un coup d'État et s'empare du pouvoir. L'assassinat du président Shermark survient dans un climat de malaise politique qui dure depuis les élections de mars 1969, dont les résultats sont contestés. Le 21 octobre, le Premier ministre Mohamed Ibrahim Egal réunit tous les partis politiques pour trouver un nouveau président. Au même moment, le major général Siad Barré orchestre un coup d'État, s'empare du pouvoir et fait arrêter les membres du Parlement. Dans une annonce radio diffusée, il déclare que la Constitution est abolie, que l'Assemblée nationale est dissoute et qu'un Conseil suprême révolutionnaire nouvellement créé dirigera par décret jusqu'à l'adoption d'une nouvelle Constitution. Siad Barré déclare également qu'il accorde son soutien à tous les mouvements de libération, faisant référence aux visées irrédentistes somalies sur les territoires disputés avec l'Éthiopie, le Kenya et la France. Rompant avec la politique de réconciliation de Ibrahim Egal, le nouveau chef d'État bannit tous les partis politiques, change le nom du pays pour République démocratique de Somalie et promet de respecter les droits humains et les libertés civiles. Le 1er novembre, un cabinet de 14 membres est nommé. Tous ces membres sont des civils à l'exception du ministre de l'Intérieur. Le nouveau régime suit les principes de l'islam et du socialisme scientifique. Le coup d'État d'octobre 1969 met fin à presque 10 années de démocratie en Somalie. Le président égyptien Anwar el-Sadat est abattu par un commando de fondamentalistes musulmans alors qu'il assiste à un défilé militaire au Caire. Sadat, qui avait succédé à Gamal Abdel Nasser en 1970, était âgé de 62 ans. L'attitude conciliante de Sadat à l'endroit des Américains et d'Israël lui attire l'hostilité des intégristes musulmans contre qui il a déclenché une sévère répression plus tôt dans l'année. Un complot pour l'exécuter se réalise le 6 octobre 1981 pendant que le président assiste à un défilé militaire commémorant la guerre du Kippour. L'assaut surprise d'un commando de quelques hommes fait 4 morts, dont Sadat, et une trentaine de blessés. Les funérailles du président se déroulent le 10 octobre en présence des ex-présidents américains Richard Nixon, Gerald Ford et Jimmy Carter, du premier ministre israélien Menahem Begin et d'autres leaders politiques influents. Le vice-président Hosni Moubarak, qui était près de Sadat au moment de l'assaut, succède à ce dernier à la présidence. Son choix sera approuvé presque unanimement lors d'une consultation populaire, le 13 octobre. Favorable aux ententes prises par son prédécesseur sur la scène internationale, Moubarak procédera à des épurations au sein de l'armée avant d'adopter une approche plus modérée à l'endroit des intégristes. Le président Cyprien Ntaryamira du Burundi et son homologue du Rwanda, Juvenal Habyarimana, perdent la vie lorsque l'avion à bord duquel ils prennent place est abattu. Une mort survenue à Kigali au Rwanda dans un avion de son homologue rwandais Juvenal Habyarimana qui a été abattu à Kanombe, le 6 avril 1994. Au cours des semaines qui suivront, le Rwanda sera déchiré par des massacres qui feront des centaines de milliers de victimes. Né le 27 novembre 1939 à Likasi, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent-Désiré Kabila, a été tué le 16 janvier 2001 à Kinshasa. Alors que l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, a récemment gracié toutes les personnes qui étaient condamnées pour l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, dont le colonel Eddy Kapende, le flou reste entier sur les vraies circonstances de l'élimination physique de l'ancien président congolais. Au début de l'après-midi du 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est abattu dans des circonstances floues, dans sa résidence du Palais de Marbre, à Kinshasa. Rachidi Misley, un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde rapprochée, est accusé. Quelques instants plus tard, il est abattu sur place par le colonel Eddy Kapende, l'aide de camp du président Kabila.
Docteur Machako Mamba, ministre de la Santé et proche de Kabila, est présent à cet instant. Il va tenter vainement, dit-on, de réanimer le président assassiné. Plus tard, dans les heures qui suivent, le gouvernement fait une déclaration pour annoncer que le président Kabila était encore en vie au moment où il était transporté d'urgence vers un hôpital au Zimbabwe. Des tensions entre le président tchadien Garta Tombalbaye et les militaires incitent ces derniers à effectuer un coup d'État le 13 avril 1975. Le renversement du président, qui est tué à cette occasion, marque un tournant dans l'histoire du Tchad qui n'a eu que Tombalbaye comme chef d'État depuis l'indépendance, en 1960. François Tombalbaye, il changera de prénom pour Garta dans les années 1970, devient président du Tchad lorsque ce pays accède à l'indépendance, le 11 août 1960. Son règne est marqué en 1966 par l'avènement du Front de Libération Nationale du Tchad, Frolina, un mouvement défendant les intérêts du Nord musulman, ainsi que la contestation des Toubous, des nomades noirs. Cette instabilité entraîne l'implication de troupes françaises aux côtés du gouvernement. La lutte qui se poursuit mine la crédibilité du président qui perd des appuis dans le sud, d'où il est originaire. Son comportement erratique provoque également des tensions croissantes entre lui et l'armée. Craignant un complot entre des militaires et des forces extérieures convoitant les richesses tchadiennes, le chef d'État fait emprisonner des leaders, comme le général Félix Maloum, en juin 1973. L'arrestation du chef de la gendarmerie, Djimé Mamari Gakinar, et de son aide, le colonel Kotiga Guérina, le 2 avril 1975, incite des militaires à préparer un coup d'État. Ils le mettent à exécution le 13 avril. Le palais présidentiel de la capitale, N'Djamena, est occupé et Tombalbaye est tué. Des leaders emprisonnés sont libérés, la constitution est suspendue et l'Assemblée nationale dissoute. Après une courte transition, Maloum est placé à la tête de la junte, le Conseil supérieur militaire, le 15 avril, avant de devenir président. Malgré l'espoir d'un apaisement entre les nouveaux dirigeants et les rebelles du Nord, les tensions persistent. Le Tchad demeurera déchiré par une instabilité persistante, notamment des conflits dans lesquels d'autres pays interviennent, Libye, France, etc. Le 9 avril 1999, le général-président Ibrahim Barré Maïnassara a trouvé la mort, au matin, dans une embuscade à l'escadrille militaire de l'aéroport de Niamey. Selon des témoins, plusieurs membres de son entourage auraient été également tués, son garde du corps ayant été grièvement blessé. Apparemment, le chef de l'État et ses fidèles cherchaient à quitter la capitale pour se rendre à Filingue, une localité proche de la frontière malienne. Dans la matinée, avant l'interruption des communications avec l'étranger, des habitants à Niamey avaient signalé le déploiement de blindés autour de la présidence, des ministères de l'Intérieur et de la Défense, ainsi que de la radio-télévision nigérienne. Hier en début de soirée, interrompant brièvement les marches militaires diffusées depuis la mi-journée, le Premier ministre Ibrahim Hassan Mayaki s'est adressé à la nation sans toutefois révéler l'identité des putschistes. Annonçant la dissolution du Parlement, l'interdiction, temporaire, des activités des partis politiques et la formation d'un gouvernement d'union nationale, il s'est borné à officialiser l'assassinat du président en parlant d'un « accident malheureux ayant entraîné la subite disparition du chef de l'État à un moment particulièrement grave dans l'histoire de notre pays ». La mort du général Barré, l'ancien chef d'état-major qui avait renversé, en janvier 1996, un président démocratiquement élu, Mahamat Ousmane, intervient au lendemain d'un appel à la démission lancé par l'opposition nigérienne. Officiellement, le président tchadien Idriss Déby Itno est mort lundi 20 avril, à 68 ans, des suites de blessures subies au front dans le nord du Tchad contre des rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad de Mahama Mahdi Ali, FECT, réputé proche des intérêts turcs en Libye. Fidèle à l'image de « guerrier » qu'il aimait à donner, Idriss Déby était monté en personne prendre la tête de ses troupes alors qu'il venait juste d'être réélu le 11 avril à la présidence avec près de 80% des voix, après avoir muselé toute opposition. Militaire de carrière et pièce maîtresse de la région,
pilier essentiel même de la politique française en Afrique depuis 30 ans en tant que garant de la stabilité du « verrou », voire « pare-feu », entre les incendies et les « inflammables », entre Libye, Soudan, Centrafrique, Nigeria et Mali, Idriss Déby était pourtant un homme protégé au plus près par les meilleures troupes et bénéficiant de gros moyens de surveillance, a fortiori dans une région où l'état-major de Barkhane est basé à N'Djamena, capitale accueillant l'une des deux bases aériennes de l'opération et le nord du Tchad étant l'objet de toutes les attentions comme historiquement, la Libye a toujours servi de base arrière aux rebelles tchadiens. Le président bissau-guinéen tué par l'armée. Le président bissau-guinéen João Bernardo Vieira a été tué par des militaires le lundi 2 mars 2009 à Bissau, quelques heures après l'assassinat du chef d'état-major de l'armée, le général Tagmena Wehe, mort dans un attentat à la bombe, a annoncé un haut responsable militaire. Le président Vieira a été tué par l'armée au moment où il tentait de fuir sa maison attaquée par un groupe de militaires proches du chef d'état-major Tagmena Wehe ce matin, lundi, vers 4 heures locales et GMT, a déclaré le capitaine de frégate The More Induta. Il a été fauché par des balles tirées par ses militaires. Le capitaine, responsable des relations extérieures de l'armée, a aussitôt accusé le chef de l'État d'avoir été l'un des principaux responsables de la mort de Tagmé. Le pays va démarrer maintenant. Cet homme a bloqué tous les élans dans ce petit pays, a déclaré l'officier. Major général Johnson Thomas Humanagvagili Ironzi, né le 3 mars 1924, à Umuahia et mort le 29 juillet 1966 à Lalupon, dans l'état d'Oyo, est un homme d'état nigérian. Il a dirigé le Nigeria du 16 janvier 1966 jusqu'à ce qu'il soit renversé et assassiné par des rebelles le 29 juillet 1966. En janvier 1966, un groupe d'officiers de l'armée, dirigé par le major Chukwuma Nzeogwu, renversa les gouvernements central et régional du Nigeria, tua le premier ministre et tenta de prendre le contrôle du gouvernement au cours d'un coup d'état manqué. Nzeogwu a été réprimé, capturé et emprisonné par le major général Johnson Aguiyi Ironzi. Aguiyi Ironzi a été nommé chef d'état militaire le 17 janvier 1966, poste qu'il a occupé jusqu'au 29 juillet 1966, date à laquelle un groupe d'officiers de l'armée du Nord se sont révoltés contre le gouvernement et ont tué Aguiyi Ironzi. Le 6 avril 1994, l'avion transportant Juvenal Habyarimana, un Hutu, et le président burundais Cyprien Ntaryamira avaient été abattus, durant sa phase d'atterrissage vers Kigali, par au moins un missile. Cet attentat est considéré comme le déclencheur du génocide qui fit plus de 800 000 morts au cours des 3 mois suivants, selon l'ONU, principalement dans la minorité Tutsi. Qui est l'auteur du tir fatal contre l'avion présidentiel ? Les enquêteurs français ont longtemps privilégié la responsabilité des rebelles Tutsis, menés par Paul Kagame devenu président du pays en 2000, avant de s'orienter sans davantage aboutir vers une implication d'extrémistes Hutus, soucieux de se débarrasser d'un président trop modéré à leurs yeux. Kadhafi fait ouvrir le feu sur des manifestants et menace de faire couler des « rivières de sang ». La contestation s'est rapidement transformée en guerre civile. Avec l'aide logistique des Occidentaux, qui avaient depuis le 17 mars 2011 le feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies pour assurer la protection des populations civiles face à l'armée libyenne, les rebelles réussissent à prendre les principaux bastions du pouvoir et chasser le dictateur de son QG à Tripoli en août. Celui-ci se réfugie alors à Sirte, sa ville natale devenue le dernier bastion des kadhafistes. Le 20 octobre 2011, c'est lorsqu'il essaie de fuir Sirte assiégé avec tout son cortège que son convoi est bombardé par l'aviation de l'OTAN et le leader déchu est capturé par les insurgés. Selon l'une des nombreuses versions de la suite des événements communiqués par le Conseil national de transition libyen, Kadhafi aurait été blessé dans le raid de l'OTAN et aurait succombé à ses blessures dans le pick-up qui le conduisait à l'hôpital. Si l'annonce de la disparition de l'ex-homme fort de la Libye a été quasi unanimement saluée par la communauté internationale, des zones d'ombre entourant les circonstances de sa chute suscitent la polémique dès le lendemain du jour fatidique. Qui ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Les différentes versions officielles des événements contredisent les vidéos amateurs qui circulent alors sur les réseaux sociaux et sur les écrans de télévision du monde entier. Le 18 mars 1977, le président Meïrine Gouabi est assassiné dans sa résidence de l'état-major par un commando suicide. Quatre jours après, le cardinal Émile Bienta, archevêque de Brazzaville, est enlevé puis enterré vivant par ses ravisseurs. Trois jours après la disparition du cardinal, l'ex-président de la République Alphonse Massamba Déba, accusé de complicité dans l'assassinat du président Meïrine Gouabi, est sommairement jugé, condamné puis fusillé, avec lui plusieurs membres de la garde présidentielle. Du 3 janvier au 6 février 1978, un procès historique sera organisé afin d'établir la vérité sur l'assassinat du président Meïrine Gouabi. 11 des 44 accusés condamnés à mort, dont un par contumace, seront sans appel passés par les armes. Ce flot de sang et ces cortèges de deuil ne viendront qu'enterrer la vérité et élargir le mystère sur la disparition de Meïrine Gouabi. Premier président démocratiquement élu du Burundi et premier Hutu accédé au pouvoir, Melchior Ndadaye a été assassiné en 21 octobre 1993 lors d'un coup d'état militaire qui a entraîné le pays dans une guerre civile opposant l'armée, dominée par la minorité Tutsi, à des groupes rebelles Hutu. Cette guerre, qui a sévi jusqu'en 2006, a fait 300 000 morts. Melchior Ndadaye avait succédé au major Buyoya, porté au pouvoir par l'armée en 1987. Il est redevenu président, à la faveur d'un nouveau coup d'État, entre 1996 et 2003, avant de remettre le pouvoir à Domitien Ndayizeye, un Hutu, en vertu d'un accord de paix signé en 2000 à Arusha, en Tanzanie. C'est ce qui a amorcé la fin de la guerre civile, 6 ans plus tard. L'ancien président burundais Pierre Buyoya, au pouvoir de 1987 à 1993 puis de 1996 à 2003, est décédé le 17 décembre 2020 à Paris à l'âge de 71 ans. L'assassinat de Mohamed Boudiaf est survenu le 29 juin 1992 lorsque le président algérien Mohamed Boudiaf a été tué par l'un de ses propres gardes du corps, Lambareg Boumarafi, présenté officiellement comme un fondamentaliste islamique et un sympathisant du Front islamique du Salut, FI, alors qu'il s'adressait à une réunion publique à Annaba qui a ensuite été diffusée par la télévision nationale. Il a reçu 3 balles, 2 dans la tête et 1 dans le dos. Il a été président pendant 5 mois, après son retour d'exil au Maroc pour présider le Haut Comité d'État. Ce comité fut une autorité politique provisoire chargée de la gestion de l'État à la suite de la vacance du pouvoir après la démission du président en exercice Chadli Bandjedid et l'interruption du processus électoral de 1991. Mohamed Boudiaf était l'un des rares vétérans de la guerre d'Algérie encore en vie à l'époque. Après Mohamed Kidé assassiné à Madrid en 1967, Krim Belkacem, assassiné à Francfort en 1970, et Mohamed Sédik Ben Yahia, le ministre des Affaires étrangères assassiné à la frontière entre l'Iran et l'Irak alors qu'il travaillait à une sortie de la guerre Iran-Irak en 1982. Le président nigérian Murtala Rehmet Mohamed est assassiné le 13 février 1976 lors d'une tentative de coup d'État orchestrée par le lieutenant-colonel Bukar Dinka. Avec la défection rapide de plusieurs commandants militaires, le coup avorte. Le second de Mohamed, Oluseguno Obasanjo, est assermenté président de la République le 14 février 1976. Le 13 février, le convoi du président Mohamed tombe dans une embuscade préparée par les rebelles de Dinka sur l'île d'Ikoyi. Mohamed est tué et Dinka annonce, à la radio nationale, qu'il s'est emparé du pouvoir. Il invoque des accusations de corruption, de mauvaise gestion et d'arrestation sans procès pour justifier le coup d'État. Toutefois, plusieurs commandants militaires des États du Nigeria se dissocient de son action dès les premières heures, ce qui fait avorter le renversement. Le chef d'état-major des forces armées, Olusegun Obasanjo, annonce l'échec du coup et l'arrestation des rebelles. Le 14 février, les 20 membres du Conseil militaire suprême désignent à l'unanimité Obasanjo comme nouveau chef de l'État.
Dans une adresse à la Nation, le président Obasanjo annonce la continuation des politiques de Mohamed et le retour éventuel à un gouvernement civil. Le 11 mars, l'ancien ministre de la Défense ainsi que 29 autres comploteurs sont exécutés pour leur rôle dans la tentative de coup d'État. Le 15 mai, 7 autres personnes, incluant Dinka, subissent le même sort. La complicité du général Yakubu Gowon, ancien président renversé en 1975 par Mohamed, est également évoquée. Son extradition du Royaume-Uni est demandée, mais Londres s'y objecte. Ce refus refroidira les relations entre les gouvernements britanniques et nigérians. Le 11 février 1975, soit exactement 6 jours après son accession au pouvoir, aux alentours de 20h, peu après avoir quitté le Conseil des ministres qui se déroulait à Enassi, à Tananarive, Ratsimandrava est abattu par balle dans sa voiture de fonction, une Peugeot 404, par un commando formé d'éléments du groupe mobile de police, GMP. Il existe plusieurs thèses concernant son assassinat, dont l'officiel qui veut que ce soit une affaire politique, tout de suite confortée par le fait que le GMP ait conduit l'attaque. Parmi les hautes personnalités politiques qui sont mises en cause durant le procès, figure notamment l'ancien président Tiranana, qui est entendu par la justice malgache et fait l'objet d'enquêtes. Le colonel Roland Rabetafika, qui est parmi les premiers officiers à avoir été aperçu sur le lieu même de l'assassinat, ce qu'il admet d'ailleurs durant le procès, déclarant qu'il y était pour raison personnelle puisqu'il rentrait à son domicile. Ces deux personnalités représentaient deux groupements d'intérêts politico-économiques qui avaient chacun pu avoir des intérêts à voir éliminer le nouveau chef de l'État. D'autres témoignages appuient le fait que le capitaine de frégate Didier Ratsiraka aurait également été vu sur les lieux de l'assassinat. Le crédit accordé à cette thèse se base notamment sur le fait que l'on peut considérer qu'il fut le principal bénéficiaire de la disparition de Ratsimandrava dans le sens où cela lui a permis d'hériter du pouvoir. Malgré le long procès qui se déroule sous le directoire militaire de transition dirigé par le général Gilandria Mahazo, aucune lumière ne sera faite sur l'assassinat de cet homme que trop de groupes de pression, notamment financiers, pouvaient souhaiter voir disparaître, craignant de voir leurs intérêts fortement remis en question à cause de la politique du « Faucon Olona » prônée par Ratsimandrava, laquelle visait à mieux articuler l'économie et la production malgache avec l'économie de subsistance de la majorité des habitants du pays, et surtout du milieu rural. Finalement, le procès de l'affaire Ratsimandrava va s'arrêter pour sauvegarder l'unité nationale du pays, déjà assez fragilisée à cette période. Ce dimanche 9 septembre 1990. Les hommes de Johnson ont capturé Samuel Doe dans le bureau du commandant en chef de l'ECOMOG qui n'a rien pu faire. Ils le déshabillent, lui arrachent les gris-gris qu'il porte en travers de la poitrine, l'humilient de toutes les manières. Un rebelle lui brise les deux jambes avec deux rafales de sa Kalachnikov. Le « docteur » Samuel Kenyon Doe n'est plus président. Seulement un grand blessé emporté comme un baluchon par les rebelles qui le jettent dans une voiture. Au camp militaire de Bushra d'Island, près du village de Coldwell à moins de 10 km de Monrovia, c'est la joie sadique. En cette fin d'après-midi de ce 9 septembre, les rebelles ont traversé la capitale en criant « Nous avons capturé Doe, le président captif a les mains liées derrière le dos. Il n'a plus ni protecteur ni protection, ses gardes ont été tués, ses gris-gris arrachés. Un rebelle, à la machette, lui coupe les deux oreilles. Un autre lui balafre le visage. Et on va le soumettre à l'interrogatoire. Ses doigts sont brisés, ses parties génitales broyées. Il avoue tout, sa fortune, l'adresse de ses banques, la cachette de certains de ses proches. Samuel Doe est à bout. Ses larmes se mélangent au sang qui dégouline de sa bouche. Il crie, il essaie de calmer ses douleurs. Par réflexe, sa tête se renverse sur son torse. Il pousse un gros soupir. Un rebelle, croyant qu'il essaie ainsi de faire appel à un dernier gris-gris pour devenir invisible, lui tire une dernière rafale en pleine tête. Samuel Kenyon Doe meurt comme il a vécu. Horriblement. Sylvanus Olympio est mort dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963. Il est d'abord attaqué le 12 à 23 heures devant son domicile par un commando de 6 hommes,
puis est assassiné le lendemain matin à 7h15 devant l'ambassade des États-Unis à Lomé où il s'était réfugié. Selon Gilchrist Olympio, l'un des fils du défunt, c'est l'ambassadeur français Henri Mazoyer qui a prévenu l'ambassadeur américain Léon B. Poulada de la situation à l'ambassade américaine dans la nuit, vers 3h30. Ce dernier se serait rendu à son ambassade, y aurait retrouvé Sylvanus Olympio, et aurait prévenu son homologue français de la situation. À 7h15, trois coups de feu sont entendus provenant de l'ambassade américaine où Sylvanus Olympio a été retrouvé assassiné. Niacine B. Yadema, père de l'actuel président, aurait participé activement à l'assassinat, ce qu'il revendique par voie de presse, puis se rétracte au micro de RFI en 1992. Malgré le Freedom of Information Act, les autorités américaines n'ont toujours pas livré les détails sur les circonstances de cet assassinat d'un président africain au sein de l'une de ses ambassades. Le 8 septembre 2011, un officier de la CVJR présent sur place le soir du crime affirme que c'est Pauk, un soldat français, qui a tué le président togolais Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, un témoignage relayé par RFI. Pour autant, les commanditaires de l'assassinat ne sont pas identifiés. Il est enterré au Bénin. Sa famille n'a pas demandé le rapatriement de son corps au Togo. Le chef de l'État a été tué dans les affrontements le 3 février 1977. Les autorités éthiopiennes contrôlent la situation à Addis Abeba, où la radio a appelé, ce vendredi matin le 4 février 1977. À 13h30, la radio annonçait qu'une tentative de coup d'État, fomentée par des contre-révolutionnaires et des individus opposés au peuple a été écrasée. En début d'après-midi, la circulation en ville redevenait normale. C'est seulement à 22h30, heure locale, que la radio et la télévision éthiopienne ont diffusé un communiqué du Derg annonçant la mort, au cours d'une fusillade, de 7 dirigeants militaires. Ce sont le général Teferi Bant, président du Derg, le colonel Asra Este, président de la commission de l'information, les capitaines Mogus Waldmichael et Alemeur Haïli, respectivement président de la commission des affaires de politique étrangère et secrétaire du comité permanent du Derg, ainsi que quatre autres membres de cet organisme. Trois d'entre eux refusaient de s'associer au complot. Le vice-président du bureau provisoire pour l'organisation des masses, le docteur Sénélik, a également été tué. Selon la déclaration du Derg qui, sous le titre « Votre révolution est passée de la défensive à l'offensive », constitue la seule version connue des événements de jeudi, les comploteurs avaient mis au point un document de 47 pages préparant un coup d'État fasciste avec l'aide des impérialistes et des gouvernements réactionnaires des pays voisins. Jeudi 15 octobre 1987, 16h. Une réunion doit commencer à Ouagadougou au Conseil de l'Entente, dans une salle du bâtiment, Burkina. Thomas Sankara en a fait le siège du Conseil National de la Révolution, CNR. La réunion porte sur la création d'un parti politique, un parti unique dont le but est de rassembler l'ensemble des mouvements de gauche pour sauver la révolution et faire face à la montée des contestations. Six membres de son cabinet sont présents. Il y a la Paulin Babou Bamouni, journaliste, directeur de la presse présidentielle, Bonaventure Compaoré, employé à la présidence, Frédéric Kiemé, conseiller juridique à la présidence, l'adjudant Christophe Saba, secrétaire permanent du CNR, un homme de confiance du président Patrice Zagré, professeur de philosophie, et Alouna Traoré. Ce dernier travaille comme conseiller à la présidence en charge des rassemblements de masse. Il sera l'unique survivant de cette rencontre. Thomas Sankara arrive dans sa R5 noire. Il a un peu de retard. Il est en tenue de sport, il porte un survêtement rouge, car le jeudi est jour de sport de masse. Il vient de s'asseoir. Alouna Traoré, qui rentre de mission du Bénin, prend le premier la parole. À peine a-t-il commencé que des tirs retentissent. Alouna Traoré ne le sait pas encore, mais les tirs viennent d'un groupe de militaires qui a pris position autour du bâtiment où la réunion se tient. Le commando a abattu les gardes du corps de Thomas Sankara, sa garde rapprochée. Sankara ajuste son survêtement, se souvient Alouna Traoré, et les mains en l'air, il sort le premier de la salle. Aussitôt, il est froidement abattu sur le perron de la salle de réunion. Puis ses compagnons doivent sortir à leur tour, sous les injonctions des assaillants, les uns après les autres, par l'unique porte de sortie.
Dans son témoignage, Aluna Traoré précise, tous ceux qui sont sortis ont connu le même sort que le PF, le président du Faso, alors même qu'il avait abattu celui qu'il voulait. Après 9 années au pouvoir, le président libérien William Ertholbert est renversé par un groupe de militaires des forces armées du Liberia, dirigé par Samuel Kado. Ce coup d'État sanglant marque une rupture en mettant fin au règne des Libériens descendants d'Américains qui mènent les destinées du pays depuis son indépendance. La décision du président Tolbert et de son vrai parti Whig d'augmenter le prix du riz est à l'origine d'une manifestation qui se déroule dans la capitale Monrovia, le 14 avril 1979. D'abord pacifique, celle-ci dégénère. Marquée par des scènes de vandalisme et de violence, elle se solde par des dizaines de morts. Le pouvoir de Tolbert, qui préside le Liberia depuis 1971, est ébranlé. Le 12 avril 1980, un an après les « émeutes du riz », une dizaine de membres des forces armées du Liberia, dirigés par le sergent-maître Samuel Kado, effectuent un coup d'État. Tous sont de la tribu des Crans et de la majorité des Libériens dont les descendants sont originaires du pays, par opposition à la minorité ayant des descendants d'Amérique qui contrôlent le pouvoir depuis l'indépendance, en 1822. Tolbert est un de ceux-là. Il est assassiné pendant le coup d'État. Il en va de même de dizaines d'officiers du gouvernement, de ministres et de membres de la famille du président. D'autres fuient le pays. Do justifie ce renversement en dénonçant l'incurie du régime précédent face aux problèmes des Libériens, sa corruption et son peu de respect pour les droits des citoyens. La constitution est abolie et le pays dirigé par un conseil de rédemption du peuple formé d'une dizaine de militaires, dont Do qui en prend la tête. Celui-ci alignera le Liberia vers une plus grande coopération avec l'Occident, notamment sur le plan économique. Les années 1980 seront ponctuées par plusieurs tentatives de coup d'État, alors que, malgré une nouvelle constitution et la tenue d'élections, la légitimité du régime restera fortement contestée. Samuel Do sera renversé à son tour, puis exécuté en septembre 1990. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.